Bonjour! Vous aussi, vous voulez faire grève pour soutenir les verts, les rouges ou plutôt les bleus parce que c'est plus drôle? Mais qui dit grève dit moins de salaire. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Perdu! Ah, les grandes vacances. Bon, ok, si on n'est plus étudiant, ce ne sont plus réellement des grandes vacances, mais au moins, c'est l'été, et c'est le moment d'aller exposer son corps grassouillé sur les plages, de faire des bombes dans les piscines, et d'écraser le château de sable du mioche d'à côté, parce que c'est comme ça, hein, et puis ça lui inculquera les bases de l'inégalité sociale. Un peu comme dans Crush the Castle qui revient pour un second épisode. Alors il s'agit toujours d'anéantir les royautés adverses à coups de pierre, bombes et tout ce que le jeu a prévu de vous donner pour massacrer des têtes couronnées. C'est toujours aussi fun, jouissif et défoulant. Sur la plage d'ailleurs, on ne fait pas que des châteaux de sable. On joue aussi à la baballe, sans but, juste histoire de se la passer. Le temps de prouver à tous ceux qui nous entourent que oui, le sport, c'est pas notre truc. Toujours un peu comme dans Sucker Balls, qui est tout sauf une simulation de football. Non, là, il faut balancer la balle sur l'arbitre pour l'énerver. Quel est l'intérêt? Je n'en ai pas la moindre idée, mais au moins, c'est rigolo. Et l'été, c'est aussi et surtout le moment de faire des rencontres, de se faire des bisous et d'être super heureux pendant environ 4-5 heures. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Loved de Alexander Osias. Non, là, dans cette expérience plateformesque, on nous hait. On nous hait et on veut nous soumettre. C'est glauque, parfois un peu flippant, mais sympathique. Mais une fois que vous serez libéré de l'emprise du vilain monsieur ou madame, on ne sait jamais, vous pouvez toujours aller jouer les dieux créateurs dans Doodle God. À partir des 4 éléments de base, vous allez devoir créer la lave, les ouragans, la vie et, tant qu'à faire en passant, l'homme. C'est bien pensé, plutôt cool et ça occupe un bon moment. Ce qui tombe plutôt bien car vous le savez, il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Oui, bon alors je sais, je me suis pas foulé, mais au moins c'est la dernière et c'est fait. Allez, à l'année prochaine!